Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Tina, je vis à Paris et je suis d'origine iranienne. Et aujourd'hui, je ne fais pas une vidéo pour faire rire, mais une vidéo pour t'expliquer ce qui se passe dans mon pays d'origine, qui est l'Iran. La semaine dernière, une jeune femme de 22 ans, nommée Mahsa Amini, a été arrêtée par la police des mœurs pour le non-port correct du voile. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me racontes? On t'arrête pour ça? Oui, on arrête les gens parce qu'ils n'ont pas bien mis leur voile, parce qu'ils t'imposent. Tu ne peux pas choisir. Cette jeune femme de 22 ans a été battue par la police des mœurs, puis est rentrée dans le coma et est décédée. Ce n'est pas la première ni la dernière. Le peuple iranien est fatigué. Ça fait près de 40 ans que ça dure. On est sous une république islamique en Iran, où tu n'as pas le droit d'avoir de choix que de porter le voile si tu es une femme. Il y a quelques jours, ils ont coupé Internet. On a vraiment du mal à joindre nos familles en Iran. Pourquoi ? Pour tuer en silence. La dernière fois, en 2019, quand ils ont coupé Internet, ils ont tué près de 1500 personnes. Alors cette fois-ci, je vous demande s'il vous plaît. Vous pouvez peut-être rien faire. Vous n'êtes pas sur le front. Mais vous pouvez partager. Je vous demande de partager en masse, dans le monde entier, et être notre voix. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on parle de cette actualité. Parce que plus vous partagez, plus ça va faire du bruit. Et plus leurs cris vont être entendus. S'il vous plaît, ne restez pas en silence avec ce crime. Je vous demande juste de partager n'importe quelle vidéo, hashtag Mahsa Amini, pour être leur voix, pour être la voix de toutes les femmes du monde entier et de l'Iran. Merci.